Il est bizarre son clipper, gros, il est bleu. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de tout ce que je vous publie sur cette chaîne. Ça se voit rien qu'au titre, je pense. Parce que j'en avais envie finalement. Si vous suivez le YouTube Minecraft à l'échelle mondiale, vous avez certainement été frappé par une des grosses inventions qui ont bien marché ces derniers mois sur Minecraft. Je veux parler de ceci, les nouvelles difficultés de Fundy. Alors, si vous jouez à Minecraft, vous connaissez déjà les difficultés peaceful, facile, normal, hard, et même pourquoi pas hardcore pour les vrais hardcore gamers. Mais ce fameux Fundy a décidé que le mode hardcore n'était pas assez difficile. Et il a raison. Il a créé plein de nouveaux modes de difficultés. Il a commencé par le mode impossible, puis impossible plus, qui reprend les ajouts du mode impossible avec de nouveaux trucs, puis le mode cauchemar récemment, qui fait pareil, reprend exactement tout d'avant et ajoute d'autres trucs qui rendent le jeu encore plus compliqué. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas marrant de tester ça en UHC? On teste aujourd'hui donc le mode impossible en UHC, c'est-à-dire en mode Battle Royale. Hein, le premier Battle Royale au monde avant votre Fortnite là. On spawn, on doit se crafter son stuff et le dernier à rester en vie à gagner, c'est génial, vous connaissez. On testera plus tard les autres modes, là on commence en douceur histoire de se mettre dans le bain quoi. Qu'est-ce que modifie ce mode impossible, vous allez me dire? Eh bien, comment dire. Les zombies spawnent désormais tous en mini-zombies et avec une armure. Les araignées en speed 5. Les squelettes tirent des flèches enflammées qui mettent à peu près 8 coeurs par flèche. Ah oui, évidemment, le feu ne s'éteint jamais. Donc si t'as pas de pseudo, finito. Les creepers, bon, inutile d'en parler. Les Enderman aggro automatiquement les joueurs même si tu les regardes pas. La lave te one shot. La glace te fait rebondir à 800 000 blocs de haut. Respirer, bon, voilà. It goes a lot faster. Les items peuvent rock à n'importe quel moment, même si tu viens de le crafter. Évidemment, c'est pareil pour le stuff, hein. Et le plus marrant, les silverfish qui se dédoublent dès que tu prends un dégât de l'un d'entre eux. Je vous laisse le plugin en description si vous voulez l'essayer. Nous, on va tenter de survivre en UHC avec ça. Déjà, ça fonctionne. Je sais pas où je suis, mais c'est normal que... sympa la pré-gen là. Ouais, ça a un peu du mal à charger. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ok. Ça va laguer un peu au début, du coup, c'est légèrement normal. Donc c'est parti. Oh putain, ça va être incroyable. Ça va être fou, j'ai trop peur. Parce que là, s'il y a des mobs, pour l'instant, Itoz a perdu de la vie. J'ai envie de voir qui va réussir à survivre jusqu'à la fin. Ouais, je vais faire un tout petit starter bouffe. Give arrobas a cookette beef. Vous allez voir, peut-être que la hache va se casser en plein milieu de là des concasses. Hein. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, en fait, c'est pas une question de chance, c'est plus une question j'ai pas de malchance. Donc franchement, c'est ok, tu vois. Quoi, y a une vache? Ok, je vais aller voir. Attends, je vais retourner voir, vous inquiétez pas. Oh, c'est bruit, ça va être incroyable ça. C'est vrai que ces bruits là comme ça, ça va être incroyable les bruits au PVP comme ça là. Le Nether est plus que dangereux là pour le coup. Là je pense que cet UHC est encore plus dangereux que le Nether de la 1.16. Hein. On va vite faire les pommes. On va chercher de la canne à sucre et après on va s'enterrer parce qu'il faut pas trop qu'on attende. Les épées cassent random aussi. Oui, les épées cassent random. Le stuff casse random. Donc en PVP, ton stuff peut casser en plein milieu. Hein. Donc vaudra mieux avoir du stuff de rechange, hein, je vous le dis. Hein. J'ai très peur des abeilles. Je sais pas s'il y a des modifications sur les abeilles. Je crois pas. Hein. Bah non, puisque c'est. Non. Normalement il n'y a pas de modif. Normalement ça devrait le faire quoi. Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Les abeilles c'est quand qu'elles t'attaquent? C'est quand tu les fais chier? Non, c'est. Ça doit être comme dans la vie. Non, normalement. Mais attends, je suis en train de me dire, on a un petit problème. Ah ouais. Ok, alors, pas de hache au PVP. J'avais oublié ce détail, Gogum. C'est vrai que du coup, vu qu'il n'y a pas de cooldown, les haches va péter d'air en fait, genre. Pas de hache au PVP, sinon ça va être complètement pété parce que tout le monde va se faire tout shot, quoi, en fait, littéralement. Ah, et voilà, ça commence. Ça commence, évidemment. Narco qui. Ça y est, ça a cassé. Ça y est, mon épée a cassé. Ça y est. C'est bon, on a du cuir. On va pouvoir se barrer. Voilà, on va pas trop prendre. J'aurais dû mettre le pack de Matox qui enlève les bruits. 4 cannes à sucre, c'est vraiment pas ouf. Faudrait vraiment que j'en ai plus parce que là ça. Oh, putain, c'est vrai qu'il faut que j'oublie. Faut pas que j'oublie avec l'eau qui one shot aussi. Par contre, y a vraiment pas de pommes qui loot. Hein, donc y a de la canne là, je vais prendre ça et je vais aller m'enterrer. Et c'est ça qu'on attend. Je pense que là on va aller s'enterrer. C'est bon, on a de quoi juste faire 2 livres. De toute façon, ça nous suffit. Je pense qu'on va pas faire du stuff de ouf de toute façon. Parce que le temps qu'on arrive à miner. Déjà, regardez, le PVP c'est dans 12 minutes. C'est quoi ça? Oh, c'est les nouveaux trucs! C'est trop bien! Attendez, il y a des coffres? Oh non, mais il va y avoir des Notch Apple aussi là-dedans, non? On va pas les trouver, les Notch Apple, dans les coffres? Ah, il y a que dalle! Oh non, je suis trop la tristesse! On va s'enterrer, ça y est, là, ce que vous attendez va arriver. On s'enterre, ça y est. Gogum, t'es sûr ça marche comme il faut ton fast melting? Regarde, what the fuck? C'est un instant smelting le truc, quoi. Toss burn to death. Et voilà, Toss qui a dit bah les couilles des règles. Hop, hop, on va faire ça. En fait, l'or ça sert à rien. L'objectif c'est juste de pas perdre de vie. Hein. Non, ouais, je pense que c'est normal dans cette version, genre t'es dans un. NON! Si je prends pas l'eau direct, ça va être compliqué. D'ailleurs, faut que je prenne encore ça. Restump, voilà, bah Restump est mort déjà. Attendez, c'est la nuit en fait. C'est extrêmement, extrêmement chiant là. J'hésite de ouf à y aller en fait. Non, mais regardez-moi tout ça, il y a des creepers chargés de partout là. Je trouverai de l'eau en cave, je pense, ça va le faire. De toute façon, ouais, je vais me protéger avec mon shield, mais bon, dans tous les cas, des flèches de feu. Ah, j'entends déjà de la lave là à côté. Ça, j'aime bien ce que j'entends là. Ça, j'aime bien. Oh, sa mère. Ah, il y a un mineshaft, énorme. Oh putain, j'ai trop peur, même s'il a perpète, j'ai trop peur là, j'ai même pas envie d'y aller. J'ai vraiment envie de me faire juste mon stuff dès le début, genre. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Oh là là, putain, j'ai envie d'aller voir le mineshaft, moi, j'ai envie de tenter les trucs là. Attends, c'est vrai que là je flippe de ouf là. Y'a des mobs ou pas? Non, ça a l'air d'être tranquille. Ça a l'air d'être plutôt tranquille là. Ça a l'air d'être assez tranquille pour l'instant. J'ai juste peur de ça. Get burned to death. Aïe 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 aïe. J'espère vraiment qu'en vrai on va pas se prendre un petit un dégât hein, parce qu'en vrai si on se prend une flèche de squelette c'est la merde hein. On va faire plusieurs épées quand même pour être sûr. Par contre les squelettes vraiment je vais pas m'y frotter hein, je vous le dis ça direct. On va faire plein d'épées, de toute façon je vais les garder. Ok, maintenant faut que je descende. Alors, il est où ce squelette là? Il a dû partir
Vraiment, je vais mettre le son un peu plus fort juste pour entendre bien les mobs. Hein. Il a peut-être des pop, hein, j'avoue. On va aller voir le coffre qui est là-dedans, là. Ok, nickel. Pour l'instant, ça se passe bien. Hein. On va voir jusqu'à quand on va réussir à tenir. C'est plus ça la question. C'est plus jusqu'à quand on va réussir à tenir. On va y aller tranquillou. On voit qu'ils sont en train de tous crever. On a déjà perdu presque la moitié des joueurs. Hein. Ouais, ça, j'aime pas trop ça là-bas. J'aime pas trop. Ok, cet endroit pue la merde. Vite, sors de là. J'ai trouvé un bug, je vais le faire remonter avec. Il vient de se passer quoi là? What? What the fuck? Il vient de se passer quoi là? C'est quoi là? Non mais je sais que les creepers explosent instant, mais genre what the fuck genre. Pour la prochaine game qu'on va faire juste après, il faut pas que j'aille dans le mineshaft. Ok, comme ça au moins on est sûr. Oh là là, oh là là. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Oh là putain, alors là c'est le gros bordel, je pense que là on admire. Il y a deux coffres en plus, sympa, il y a deux coffres. Oh, c'est méga intelligent ça. C'est méga intelligent. Par contre, il y a le creeper qui est juste derrière. C'est un peu le problème. C'est qu'il reste ça. Et si le creeper vient dans le trou, c'est terminé. Hein. Franchement, vous savez, j'ai envie de vous dire un truc. Intérieurement, j'espère que le creeper va venir. On est d'accord que vous êtes tous en train d'espérer. Oh putain, ça y est, c'est la fin. Ah, il s'en bat les couilles, il veut juste ça en fait. Et du coup, il se casse. Bah ouais, il a raison. Il a totalement raison. Hein. Many hours later. Oh, c'est vrai que ça casse. C'est vrai que Nimbus. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Le stuff qui a broke. Non, mais attendez. Mais non, c'est pas possible. Ouais, salut Magic 9. Bon, on va éviter de crever comme la dernière fois. Oh, il y a un village, il y a un village, il y a un village, là un village. On y va on va au village. Hein. Les gars, regarde, c'est... regardez, c'est Kiki. Quoi, qu'est-ce que t'as trouvé encore? J'ai envie de voir. C'est quoi? Il y a Kiki. Il te regarde. Comment il va le frère? Allez, brute. Oh, tu l'as tué. Ça part direct en cave, en plus on va prendre de l'eau comme ça. On va prendre vite le seau d'eau là que j'ai. J'ai aussi peur en cave quoi. On essaiera de se rejoindre tout à l'heure dans l'après-midi. Bah là ma deuxième pioche vient de casser, ça allait, ça fait plaisir. Allez, est-ce que la pioche en fer va casser dès le début en minant cet or? Franchement non, hein. S'il te plaît. Hein. Ok, ça passe bien. Ok, ça se passe, pour l'instant ça se passe. En point 16, quand on sneak, on a la vision Kagil en IRL. Alors j'ai une cave. Guigui, non. Dadou. Guigui, je te dis non. Dadou, voilà. Je vais dans la cave, Dadou. Dadou, il y a rien dans la cave, Dadou. Oh 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 oh. Guigui fais pas le fou, vraiment Guigui fais pas le fou, vraiment. D'accord. Tu repars vite, Guigui repars vite, il peut avoir des creepers qui parlent d'autres partout. Non Dadou, y'a rien du tout Dadou, y'a que dalle. Oui mais tu dis y'a que dalle et tu vas te retourner. Squelette, il va te faire une one shot. Non Dadou, y'a que dalle, t'inquiète, je prends quand même tout ça. Zéro mob hein, par contre. En vrai tant mieux hein, franchement parce que on peut te dire que c'est chaud hein. Non Guigui, non, y'a des trucs pas ouf. Ouais y'a un squelette, t'as pas bouché. Il est arrivé de derrière. Attends, c'est bon, moi j'ai plus que 8 heures. Non mais y'avait vraiment pas de squelette au moment que j'y étais. Ouais bah ouais, va falloir trouver de l'or hein déjà. J'ai de quoi faire une gap déjà. Oh putain! J'ai eu peur pour vous les gars là! Ça aurait été un beau combo! Au bout d'un moment, j'aurais même plus de bois à force que je refais des pioches là. Ah, y'a Rhinocéror qui est à 60, tous les autres sont bien en vie. Ouais. Ok, c'est bien, ça aide bien comme il faut. Bon, moi je suis à 100%, c'est bien, va falloir miner. Allez mon Dadou, j'espère t'es chaud hein, parce qu'on va miner. Hein. Y'a vraiment un mec en face? Quoi? Y'a vraiment. J'ai vraiment vu un. Attends, toi là? Mais je peux pas gros. J'ai vraiment vu un mec en face, tu mines en face, tu vas le trouver. Fais ton stuff faire et on va le buter. Ouais. Et t'as pas vu, c'était un long pseudo, un petit pseudo, tu sais pas. Y'a des torches, c'est quelqu'un qui torche. Y'a de la lave, gros. Au fond là. Tu l'as vu. Fatou, ouais, Fatou. Butez-le là, comment ça vous réfléchissez là? Ah ouais, c'est plutôt par en bas, viens, vas-y, viens. En vrai, il a eu de la chance tout à l'heure de ouf en plus. Regarde, par là, gros, c'est ici, j'ai trouvé. Bah, le problème, c'est que moi j'ai pas de vie donc il va falloir que tu passes toi. Hein. Regarde, gros, face là. Regarde, mais vraiment sneak à fond. Hein. Y'a vraiment quelqu'un, y'a Dalil à côté. Ok, donc y'a les deux à côté, ça sert à rien, faut qu'on se barre. Recule, quoi. Tu l'as vu toi? C'est pas leur staff, ouais, y'a Dalil. Oh, y'a deux. Par toi. Il arrive, gros, il arrive par ici, hein. Il arrive. Vite. Il y a les trois, gros, il y a les trois, ça sert à rien. Faut pas 2v3, gros. Moi, j'ai une barre de vie en moins impossible. Parce qu'ils sont comme safe, en fait. Sinon, on attend. Il va être dans notre stream mine. Il arrive là, hein. Il a sneak, gros. Il a sneak sa mère. Putain. Ok. Creeper chargé dans le chemin. Putain, on a pas de stuff, en fait. C'est ça le problème, c'est que. Il va falloir qu'on esquive le creeper, hein, je te le dis. Il y a le creeper juste là, va falloir qu'on le contourne. Attends. Viens, on passe pas. Tu te dirais pas qu'on va y aller plutôt plus vite. Normalement. Normalement, il est à droite. J'espère qu'il est à droite. Il est à droite. Dadou, là tu peux venir. Viens. Vas-y, il est là. Hein. Il est derrière les blocs de cobble, le creeper. Donc on se bouge le cul. D'accord. En vrai, si on les laisse au fight et qu'on prend après. Bon, allez. Est-ce qu'on tente ici? Yeah. On tourne. Oh allez, hop, j'ai refait le petit sum là. Allez, hop, pour et tous là. Oh non! Karma. Ouais, c'est bon, je remonte, les gars. Y'a une tour de. Y'a une tour de. Comment on appelle ça là? Ah, ouais, si tu veux, on peut aller voir en haut ce qu'il y a. Y'a quelqu'un, y'a une team déjà, y'a une team. Venez, on les tente. Ah, tu sais, y'a des pierres, mec. Oh, putain, il me défonce. C'est bon, c'est bon, ça le fait. Oh, regarde. Ah, il met de la lave, mec. Quel enfer, vas-y, viens, je me casse. Je joue pas avec des gens comme ça. Attends, j'essaie d'en faire tomber un. Viens, mon magic.
Je pense qu'il y a des pierres qui pop, hein, je vous le dis. Il y en a un qui tombe là. Ah, ils sont là, attends. Ils vont se barrer ou quoi? Ouais. Ah, ils barrent. Venez, on les chope en bas. Vas-y, vas-y, par contre. Attention. Il y a des pierres. Attention, il y en a un là. Je crois qu'ils sont encore en haut en fait. Ils sont bouchés en haut. Ah, ils ont mis de l'eau, gros. C'est vrai que l'eau, c'est un danger aussi dans ce mode de jeu. Ouais, c'est vrai. On a zéro gap là? Non. Bah, venez, on se barre. Ouais, ça sert à rien. Par là. Vas-y, je te suis. Barrez-vous. C'est bon, tout va bien. Ça peut être violent les chiens. Attention, ils sont encore là, faut se barrer. Quand il faut faire un fight, faut gérer le premier fight. Ouais, la bordure qu'elle a. On va attendre qu'ils se fight, je pense. Faut qu'on attende qu'ils se fight. Ils me suivent encore. Les pillagers? Ah, ils sont là! Ah, ouais, ils m'ont en aggro, vas-y, butez-les. Ah non, y'en a un qui m'ont en aggro, moi. C'est bon. Là, y'a un mec, y'a Loupio, y'a Loupio. Ah, vas-y, ils sont basses. Ils sont trois. Ah, mais c'est Loupio, Pib et Nimbus. Ouais, on est avec toi là, on est juste derrière toi. Chope-le. Il a eu des coups. Loupio, il a pris cher. J'ai défoncé Loupio. Ouais, je suis sur Loupio et Pib. Ok, j'ai tapé Loupio une fois. Attention, hein. Ouais, Pib. Attention, qu'on tape pas. Oh putain, mon épée a pété. Mon épée a pété. Merde, c'est toi ça. Mon épée a pété, mais c'est mort quoi. Loupio? Avec toi? Mort? J'ai plus de l'épée. J'ai un cœur et demi, je suis mort. C'était trop dur. Trop Steph. Elle dit que je vais revenir vers toi, t'as le temps de te crafter une épée ou pas? C'est bon. T'es où? Je suis là. Je vois. Ouais. Okay, je suis mort, mec. Allez, les gars. On recule. J'ai un cœur. GG, les gars. Bien joué, les gars. Oh, j'ai 4 gap, mec. Vous avez pas du stuff en plus en diams? J'ai un plastron P2. Moi, je voulais en garder un pour stocker. Ah, t'as bien raison. T'en as un, toi, sur toi, là? Non, j'en ai pas d'autres. Par contre, j'ai une selle, mec, pour prendre un cheval. Les gars, on les soutient, les copains, allez. On est mieux ici que se cacher sous le centre. Ah, mec, regarde l'autre team, là, depuis tout à l'heure, regarde. Ils sont en train de bridge, mec. Ah ouais. Donc, en vrai, on a quand même bien joué, en vrai. Regarde là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, regarde. Avec pas de gap, vraiment, oui. Putain. Mais viens, on devrait faire pareil, mec. Mais... Oh putain! Cours, ils nous ont pas vu. Go. Panique. Bah, regarde derrière toi, gros. Faut les emmener sur les autres. Aïe. Vas-y! Ah, super, je suis mort. C'est pas le meilleur move là que j'ai fait là. Bien joué. Gros, la team verte. Incroyable, la team verte. Ce qui se passe en dessous de la team verte. T'imagines même pas, mec. Attention, mec. Putain, ils sont là. Aïe. Les gars, c'est chaud. Personne te voit. Franchement, tu peux la gagner, mec. Toi, t'as juste à attendre qu'ils se fight et t'arrives à la fin et tu clean up et c'est gagné, mec. Mais mec, eux, ils s'en battent les couilles, hein, gros. Regarde ce qu'ils font. Ils s'en battent les steaks, hein. Mais en vrai, je trouve qu'entre celle-là et la toute première game, il y a quand même une énorme amélioration par rapport à la façon de jouer des gens. Je trouve qu'ils ont beaucoup mieux résisté sur celle-là. Hein. Il faudra voir en mode cauchemar, quoi. UHC cauchemar. Hein. Oh, mais t'as une team qui est en haut, t'as une team qui est en dessous, t'as une team qui est sur les côtés. Non, la team se balade. Non. Voilà. Je sais pas comment, hein, mais eux ils m'ont vu, je sais pas d'où. 1, 2, 3, viva Gil, Gauthier McNariestil, tu veux une patate, tu veux un diamant, on t'aime Gil, supérieur. Quoi? Alors, je l'ai vu celui-ci, je suis bien. Je veux bien tout, mais ça, je coupe, c'est fini. Et c'est fini! 14 kills, t'as dit? Oh sa mère, eux ils ont pas rigolé. Bon bah c'était super fun en tout cas. J'espère Dadou que toi ça t'a plu aussi. La première, bon ma mort on en parlera pas. Et la deuxième, bah c'était. C'était sympa quand même. Moi en tout cas j'aime bien le concept, c'est trop bien. Bon voilà mesdames et messieurs, j'espère que cette petite game vous aura plu. Enfin du coup, ces petites games vous aura plu. Cette petite soirée qu'on a fait, on a testé un petit peu le nouveau mode de jeu du coup qui avait fait un petit peu le tour, qui avait un petit peu bien marché et tout. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On testera également peut-être le mode cauchemar si jamais ça vous tente. Il y a également une vidéo qui a été publiée par Fundy justement sur ce mode de jeu là. Du coup, je vous encourage à aller voir. Et si jamais ça vous tente et que vous voulez qu'on fasse également le mode cauchemar, lâchez des petits pouces. Voilà. Et peut-être que du coup on le fera, même si bon, il y a de très fortes chances qu'on le fasse quand même en stream. Voilà, abonnez-vous, merci, à bientôt.